السلام عليكم التلاميذ الأعزاء، تلاميذ ثاني بكالوريا علوم رياضية، مع مرحلة جديدة من المراجعات الإعدادية للامتحان إن شاء الله، والتكوين بصفة خاصة، التكوين الذاتي بصفة يعني هادفة. إذا موعدنا في هذه الحصة هذه مع أن بروبليم داناليز. على بركة الله الأسئلة ستطرح تباعا، لأن المسألة طويلة، إذا سنجزئها إلى أجزاء. إذا سوا اف لا فونكسيون ديفيني بار، دونك سي اون فونكسيون ديفيني بار انتيغرال، ديفيني سور ار ايطوال بلوس موان لو 5 لو تون 1. بروميير كيستيون فيريفي كو اف اي ديريفابل اون تو بوان اي كالكولي اف بريم دو اكس. دوزيام كيستيون سوا لا دوزيام فونكسيون جي دو تي ديفيني كوم سا بار دو مورسو سي تي ديفيرون دو 1 سي تي ايغال 1 اي برولونجي اون 1 دومي بار 1 دومي. بوتيت ا montrer qu'il est continu sur R étoile plus, معناها oscille le point 1. Indication, vous pouvez, si vous en avez besoin, utiliser cette double inégalité. Sinon, si vous avez réussi à le faire autrement, c'est très bien. Deuxième question, petit b. On prend une deuxième fois, c'est justifié parce que j'ai démontré qu'il est continu, donc sa primitive existe. Montrer que la limite de cette fonction-là existe au point 1 et calculer sa valeur. Et la question C, en utilisant H, montrer finalement que limite de f de x, sa première fonction, voilà le premier résultat, sa limite au point 1, c'est logarithme de 2. Donc, comme d'habitude, faire une pause à la vidéo, lire bien l'énoncé, situation de recherche, essayer donc de répondre avant de voir. La dérivabilité, d'abord un résumé de cours. Donc, pour le cours, je rappelle cette fonction-là. Donc, le a, il est quelconque, on a u de x, on a f de t, dt. Alors, quelles sont les données? F continue sur un intervalle i. D'accord? Et puis, là, le a, c'est un point quelconque de i. N'intervient pas beaucoup. Donc, l'essentiel est dans i. Et que la fonction u dérivable sur un intervalle j tel que, quand même, à le minimum, on doit rester dans i, parce que je vais parler de finalement de f de i, comme vous allez le voir. Ceci suffit pour dire que cette fonction-là, si je l'appelle grand u, alors grand u est dérivable sur quel ensemble? Là où il varie x. Sur j, et de plus, grand u prime de x, là c'est la composée, juste c'est la composée, donc ça va me donner u prime de x, et là, petit f de u de x. C'est comme si je dérive la composée de deux fonctions. Alors là, quel que soit x dans j. Bien, appliquons ici. Notre cas ici, alors je peux écrire que f de x, je vais choisir un élément quelconque, le a, qui est là. Quitte à prendre par exemple 1 demi, 2, ce que vous voulez. Alors x au carré, là je fais la relation de Charles, ln de t, moins le même nombre bien sûr, donc x dt ln de t. Alors maintenant, quitte à rédiger une phrase, c'est dire que voilà, pour l'intervalle 0, 1, voilà ce qui se passe, j'applique ça. Pour l'intervalle 1 plus l'infini, voilà ce qui se passe en précisant à chaque fois le j convenable. C'est un travail que je vous laisse faire. Donc, je peux dire donc finalement que f est dérivable via ces deux cas-là. Il est dérivable sur mon ensemble-là, si j'appelle cet ensemble-là tout simplement D. Alors, il est dérivable en tout point de D. Et je calcule maintenant la dérivée par la même formule. Ça va me donner combien? Ça va me donner celle-là si la dérivée c'est 2x ln de x au carré moins 1 sur ln de x. La propriété des formules, donc ça va me faire donc tout simplement x moins 1 sur ln de x. Voilà donc ma dérivée. Alors, maintenant quant à la continuité de g. G sur R étoile plus, regardez là, G de T, c'est 1 sur ln de T, moins 1 sur T moins 1.
Donc, à part le problème du point 1, vous voyez que d'après les opérations sur les fonctions continues, g est bien continue, en tant que l'inverse de logarithme est là une fraction rationnelle. Donc, pas de problème, g est trivialement continu sur r étoile plus moins 1, d'après les règles des opérations sur les fonctions continues. Alors maintenant, étudions le problème au point 1. Pour ce faire, j'espère que vous avez suffisamment cherché et que vous êtes arrivé à quelques idées du type. Alors vous allez, 1, réduire au même dénominateur, trouver que ça c'est t moins 1 moins log de t sur ln de t fois t moins 1. Je peux, si vous voulez, donc faire un petit changement de variable en posant t moins 1 égale à h. Vous aurez dans ce cas-là ma nouvelle fonction. Alors là, tout ceci, je vais l'exprimer en termes de h. Ça va être égal à h moins log de h plus 1 et la diviser par log de h plus 1 et la fois h. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ce numérateur-là et le transformer en termes d'intégrale pour retrouver l'indication. Essayez de le voir, s'il vous plaît. Bien, alors maintenant, regardons cette expression-là qui nous intéresse le plus. Ça va nous donner quoi? Je vais la transformer sous la forme d'une intégrale. Donc, c'est l'intégrale donc de 0 à h et la 1. Et puis celle-là, c'est 1 sur t plus 1. 1 sur t plus 1 et le tout dt. Ce qui va vous donner finalement 0 à h, t sur t plus 1. Dt. Maintenant, on se retrouve avec l'inégalité de la double inégalité de l'indication. Donc, comme t sur t plus 1, ça, nous savons qu'il est majoré par t et qu'il est minoré par t moins t carré. Alors là, bien sûr, le t est positif. Je vais intégrer. Donc, en intégrant terme à terme, donc je vais avoir ça. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc là, j'intègre celle-là, 0h, dt, dt, et puis là, dt. Donc, je vais avoir ça, c'est l'expression encadrée en rouge là. Et là, ça va me faire tout simplement h carré sur 2. Et là, comme j'ai dit, donc c'est h moins ln de h plus 1. Et là, supérieur donc à h carré sur 2 moins h3 sur 3. Bien. Maintenant, je vais multiplier par l'inverse de ce terme-là tous les membres de l'inégalité. Je suppose bien sûr que h est positif pour que ce terme-là reste positif. Donc, je vais avoir donc h moins log de h plus 1. Je vous laisse le soin doucement de voir qu'une fois si je divise, je vais avoir ça. Ln de h plus 1 fois le h. Et là, ça va rester uniquement h sur 2 fois log de h plus 1. Ce même terme-là, je vais le retrouver ici avec h sur 2 fois log de h plus 1. Et là, il y a un signe moins h carré, parce que je simplifie par le h, moins h carré sur 3, ln de h plus 1. Excusez-moi ça. Donc, je vais avoir ça. Bien. Donc, maintenant, ça, c'est une limite usuelle. Ça tend vers 1/2. Vous voyez là, parce que log de h plus 1 sur h quand h tend vers 0, il est égal à 1. Donc, ceci tend vers 1/2. Ça, ce terme-là, sa limite, c'est 1/2. Celui-là, c'est 0, parce qu'il y a un h sur la limite usuelle, il faut un h. Conclusion, tout ça, donc, il va converger vers 1/2. Et je vous laisse le soin, chers élèves, de conclure. Donc, la fonction, elle est bien continue au point 1. Alors, bien, maintenant, la continuité de la fonction g assure l'existence d'une primitive de g
qui s'annule à un point donné. Donc, disons par exemple là que h de x, donc il va s'écrire sous la forme, voilà cette primitive là, grand g de g, qui s'annule en un point A de l'intervalle, donc c'est grand g de x au carré, moins grand g de x. Donc là, comme je l'ai dit, il faut dire une phrase, la continuité de g assure l'existence de la primitive qui s'annule en un point donné de l'intervalle, en un point A. Bien, maintenant passons à la limite. Donc la limite de g de x, quand x tend vers 1, puisque grâce à la continuité, il va composer si tout simplement grand g de 1 moins grand g de 1 qui est égal à 0. Voilà. Bien, maintenant, quant à la limite, la question C, quant à la limite de la fonction f de x, je vais la déduire de la même façon. Mais avant, rappelons ici bien que le problème en 1 ne se pose pas parce qu'on avait démontré que la fonction est continue au point 1. Bien, maintenant ma fonction f de x qui est l'intégrale, vous vous rappelez, donc c'était ça, x au carré de 1 sur ln de t dt. Voilà. Mais mon h de x, vous allez l'écrire comme étant égal, en séparant l'intégrale, c'est tout simplement, c'est f de x, et puis, moins l'intégrale de 1 sur t moins 1, et cette intégrale-là, il va, tout calcul fait, il va nous donner ça. Faites attention, s'il vous plaît, à la valeur absolue. Là, c'est très, très important pour éviter le cas ici. L'intégrale, là, alors là, je voudrais dire ça, de t moins 1 dt, on va l'intégrer en utilisant la valeur absolue. Comme ça, on évite le problème d'ici. Et que toute simplification faite, identité remarquable, on retrouvera ça, si x différent de 1. Maintenant, la limite de h de x. Nous venons de voir que cette limite-là, c'est nulle. D'où, comme conséquence directe, limite de f de x quand x tend vers 1, elle est bien égale à ln de 2. Voilà. Alors, passons maintenant à la partie 2. Alors, on note le prolongement par continuité de f au point 1. Nous avons vu qu'il admet f, admet une limite au point 1 qui est log de 2. Donc, ce prolongement sera noté par la même notation, petit f. Et on vous demande de montrer que f est dérivable de point 1. Et puis on vous demande de chercher le nombre dérivé au point 1. Alors la quatrième question, démontrer l'encadrement. Vous voyez là que moins x sur log de x c'est quelque chose de positif, puisque x est dans 0, 1. Et puis on vous demande d'en déduire que f est prolongeable par continuité en 0. Et même plus qu'il est dérivable à droite de 0, on vous demande de chercher le nombre dérivé à droite. La cinquième question. Calculer limite en plus l'infini, puis f de x sur x en plus l'infini pour étudier la branche infinie. Et puis, résumer tout cela dans un tableau de variation. Prenez s'il vous plaît votre temps pour aborder ces questions. Bien, pour cette question de dérivabilité au point 1, rappelons que la dérivée de f existe pour tous les points qui sont différents de 1. Et que même nous l'avons calculé, c'était x moins 1 sur ln de x. Une première remarque, c'est que cette fonction-là admet une limite quand x tend vers 1. Certainement, parmi les exercices qu'on pourrait faire, que si une fonction dans la dérivable et dans la dérivée admet une limite, alors il devient elle-même dérivable en ce point-là. On n'a pas ce théorème au programme. Donc essayons donc de contourner ceci. Donc on va le contourner de la manière suivante. Donc revenons à f de x moins f de 1. F de x moins f de 1 sur x moins 1. Et je dois chercher cette limite-là quand x tend vers 1. Le théorème des accroissements finis, en citant les hypothèses, me dit qu'il existe un cx entre 1 et x, supposons le premier cas, donc que x est à droite de 1. Et puis d'une manière similaire, vous allez traiter le deuxième cas. Donc, théorème des accroissements finis, vous allez dire citer les hypothèses, il va exister un cx tel que ça égale f' de cx. Mais nous l'avons vu ci-dessus, c'est cx moins 1 sur ln de cx.
Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Or, maintenant, quand x tend vers 1, notez bien, quand x tend vers 1, alors cx tend aussi vers 1, via cet encadrement-là. Mais lorsque cx tend vers 1, cette limite-là, elle est usuelle, elle tend vers 1. Conclusion, d'où on déduit de cela que f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 là, c'était à droite, il est bien égal à 1. Je répète que vous ferez le même raisonnement à gauche pour conclure finalement que la limite c'est la même, c'est 1. Conclusion, je vous laisse terminer ces petites choses là. Conclusion, f est dérivable en 1. Et dérivable en 1, et de plus, le nombre dérivé, il est bien égal à 1. Alors bien, donc démontrons maintenant cette double inégalité-là. Une première chose à remarquer, c'est que je suis dans l'intervalle 0,1. Donc il y a lieu à arranger les bornes. Et que cette fonction-là, celle-là, c'est une fonction, dans ce cas-là, elle est négative, et qui est décroissante. Décroissante tout simplement parce que sa dérivée, 1 sur log de t prime, ça va me faire moins log de t le tout prime sur log de t au carré. Ça me donne quelque chose du type moins 1 sur t log de t au carré, donc c'est quelque chose de négatif. Donc cette fonction-là, elle est décroissante. Mais pour pouvoir utiliser les propriétés de l'ordre de l'intégrale, je dois arranger les bornes. Donc, le premier arrangement, c'est le suivant. F de x égale, doucement, j'écris donc l'intégrale, c'est parce que là, puisque x est dans 0,1, x au carré est inférieur à x. Pour ne pas se tromper. 1 sur ln de t dt. Voilà. Alors maintenant, j'utilise le fait, d'abord, pourquoi ça c'est positif. Je viens de dire que ce terme-là est négatif, avec le signe moins, c'est positif. Donc, trivialement, ça, c'est positif. Maintenant, il me reste le membre droit. Pour le membre droit, je vais dire, j'ai ça. 1 sur log de t, j'intègre doucement, donc ma fonction est décroissante, donc ça devient ici. 1 sur log de x au carré, et là, 1 sur log de x. Et puis, j'intègre. Et alors, je vous laisse le soin de compléter. Bien. Alors je continue ici, maintenant j'ai dit j'intègre, je vais avoir, n'oubliez pas que je cherche une majoration. Donc 1 sur log de t, donc je vais m'intéresser à quoi? Parce que finalement, je dois multiplier par le moins. Donc je travaille avec celle-là. Donc elle est minorée par, alors là j'ai x au carré et puis x. Donc la longueur de l'intervalle c'est x moins x au carré sur ln de x. Et là, ça devient donc dt, comme ça. Maintenant, multiplions par un signe moins, donc j'aurai moins l'intégrale x au carré à x dt sur ln de t, il va devenir donc x au carré moins x sur ln de x. Et ce n'est pas terminé, moi je cherche moins x sur ln de x. Donc finalement, ça, c'est ma fonction f de x. Et là, je factorise par moins x ici, ça va me rester 1 moins x. Et là, sur ln de x. Bien, maintenant ce terme-là, c'est positif. Et puis celui-là, il est inférieur à 1. Donc, je peux majorer ça, parce que ça, c'est aussi positif, inférieur à 1. Donc, il va devenir inférieur à moins x ln de x. Et ce qui m'assure mon encadrement. La suite maintenant, c'est trivial. Pour la limite de f de x quand x tend vers 0, cette fonction-là. Quand x tend vers 0, alors, là, le numérateur, c'est 0. Et là, 1 sur ln de x, c'est moins l'infini. Avec l'inverse, ça devient aussi 0. Théorème des gendarmes, ça vient que ma fonction f de x, il converge, il tend à la limite d'elle, c'est 0. Par suite, elle est prolongeable par continuité. Voici ce qui est de la prolongabilité par continuité. Il va vous rester la dérivabilité.
la dérivabilité, regardez, une minute sur la même. Bien, donc quant à la dérivabilité, donc vous voyez là, donc il suffit de diviser par x, vous aurez ça. Alors moins 1 sur log népérien de x, là n'oubliez pas que vous êtes au voisinage de 0 à droite de 0. Donc cette limite là c'est 0, c'est là de 0, je déduis de la même manière, d'où, alors puisque f de 0 c'est 0, donc on a bien f dérivable à droite de 0. Et de plus, on a, comme vous le voyez bien, f' droite de 0 égale à 0. Si on vous a demandé d'interpréter graphiquement, c'est-à-dire qu'il y aura une demi-tangente horizontale, le point, les one origine, c'est-à-dire 0, 0. Bien, maintenant, il nous reste donc le problème des deux limites. Alors, le problème de la limite de f de x en plus l'infini, c'est quoi? Et puis le problème pour la branche infinie f de x sur x en plus l'infini, c'est quoi? Donc 2 minutes s'il vous plaît pour revoir ça. Bien sûr, là, puisque la fonction f n'est pas explicite, donc c'est que le problème de la limite, comme on l'a fait tout à l'heure, ça va reposer sur un encadrement. Alors refaisons le même raisonnement. Alors maintenant mes bornes sont bien placées, x au carré, donc 1 sur ln de t. Donc, je reprends par exemple la minoration que nous avions fait tout à l'heure. Puisque donc ma fonction est décroissante, ça va vous donner donc x au carré moins x, je répète presque le même raisonnement, ln de x. Ça, c'est parce que, c'est ln de x au carré. C'est parce que ma fonction 1 sur ln de t est décroissante. Bien. Alors, donc là, j'obtiens f de x supérieur, bien sûr, là. Alors, ce raisonnement-là se fait pour x strictement supérieur à 1. Donc, j'aurai donc f de x, il est 1, donc x là, il y a 1, 2 qui va sortir, 2 fois log de x, comme ça, fois le x moins 1. Voilà. Or, maintenant, cette limite-là, vous savez bien que ça, c'est une limite usuelle, c'est plus l'infini. Parce que ln de x sur x, c'est 0. On voit celle-là aussi. Conclusion, d'après les théorèmes de comparaison, limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. Est-ce que maintenant, j'aurais besoin de refaire la même chose pour la limite de f de x sur x? En fait, regardez là, par le même procédé, j'aurai f de x sur x, il sera donc minoré par x moins 1 sur 2 fois ln de x. Et ça, vous voyez bien qu'il y a la limite, encore la limite x sur ln de x qui tend vers l'infini. Conclusion. F de x sur x, il va tendre vers plus l'infini. Je vous laisse écrire ces détails. Par suite, je pourrais dire, en termes de branche infinie, donc il y a une branche infinie, branche parabolique, dans la direction de l'axe des ordonnées. Dans la direction de OY. Voilà, je vous laisse pour qu'on passe à l'autre question. Alors bien, maintenant la question du tableau de variation, c'est une traduction tout simplement du signe de la dérivée est là. Donc vous voyez que nous avions prolongé f par continuité, même la dérivée à droite c'est 0. Là, la dérivée de 1, si je me rappelle bien, c'est 1. D'accord? Donc là le signe dans cet intervalle-là, le numérateur est négatif. Ln de x aussi, donc ça vous donne un signe plus, et là ça vous donne aussi un signe plus. Donc là, l'image en 0, c'est bien 0, et puis, voilà, donc là, l'image de point 1, si vous rappelez bien, c'était logarithme de 2. Voilà, et la limite là, en plus l'infini, donc l'allure, c'est très simple, vous pouvez même deviner une esquisse de cette... Bien, alors terminons ce problème par ces deux dernières questions. Alors d'abord, montrer que ces deux intégrales-là, elles sont égaux. Notez-la x au carré, y au carré, et là xy, et que nous sommes dans l'intervalle 0, 1 ouvert. En calculant f de x moins f de y, donnez la valeur de cette intégrale-là.
Alors une remarque ici, c'est que cette fonction-là, elle est prolongeable par continuité au point 0. Au point 1, vous voyez que cette limite-là, c'est fini. Donc, la forme, elle est bonne. Donc, c'est une intégrale normale. Mais quand même, laissez-moi vous rappeler avant de faire la solution que ce serait une bonne chose que vous fassiez une esquisse de la courbe. Donc là, nous avons le point là, nous avons dit une demi-tangente. Et là, le point 1, c'est log de 2. Log de 2, vous devez l'évaluer, c'est 0,67. Donc là, ça doit avoir une tangente de coefficient directeur égale à 1. Et forcément, puisque là, la courbe admet une branche parabolique dans l'axe des ordonnées, c'est que cette allure-là, ça sera comme ça. C'est-à-dire là, ce point-là doit forcément être un point d'inflexion. Je vous laisse, chers élèves, le soin de refaire ça de manière pertinente. Alors, prenez votre temps pour terminer la partie de ce problème. Donc, cette première question est simple. Vous voyez que l'idée-là, ça sera donc de poser le changement de variable suivant, donc dans le terme gauche, je vais poser t égale s au carré. Donc ça va m'entraîner de t égale 2 fois ts. Donc là, cette intégrale-là, donc là, ça va devenir avec les bornes s carré égale x au carré, donc c'est s égale à x. Là, pour y au carré, ça devient y. Et là, je vais avoir donc 2 fois ds sur log de s au carré. Même log de s au carré, c'est la même chose que 2 fois log de s, ds, qui est donc égal à xy ds sur log de s. Oui, donc ça, c'est une question simple. Maintenant, la deuxième question, la question bien intéressante. Donc, je vais partir de là, je vais partir du fait que qu'est-ce que c'est que x au carré, y au carré, dt sur ln de t. Pour faire apparaître ma fonction de départ, donc je vais faire la relation de Charles. Donc de cette manière-là, je vais écrire x au carré, donc vous voyez ce que je suis en train de... plus l'intégrale de x à y, je vous donne le croquis du raisonnement, plus l'intégrale de y à y au carré. La même quantité. Donc finalement ça c'est quoi? Ça c'est tout simplement moins f de x et ça c'est f de y. Donc c'est f de y moins f de x. D'accord. Donc vous suivez. Alors essayez maintenant d'arranger ces termes-là pour conclure. Alors concluons. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens d'après ces deux dernières lignes? Je vais obtenir l'intégrale de x au carré, de x au carré y au carré. Et là, dt sur ln de t. Je retranche ce terme-là, xy, moins l'intégrale de xy dt sur ln de t. Alors là, c'est la borne, là, c'est pas, donc c'est la borne. Et je trouve que ça, c'est égal à f de y moins f de x. Voilà. Alors maintenant, d'après la question précédente, cette intégrale-là, c'est celle-là. Donc finalement, ça va me faire l'intégrale de x à y pour se ramener les mêmes bornes. Dt sur ln de t, ou s comme vous voulez, c'est une variable muette, x à y, alors là qu'est-ce que j'ai dit? Là, il manque quelque chose. Donc, t sur ln de t. T sur ln de t, dt, moins 1 sur ln de t, moins 1 sur ln de t, dt. D'accord? Donc c'est cette quantité-là qui est encore égale donc à f de y moins f de x. Finalement, j'obtiens ce que je cherche. L'intégrale que je cherche, c'est celle-là. C'est x à y t moins 1 sur log de t dt qui est bien égal à f de y moins f de x. Et maintenant, j'ai tout ce que j'ai devant mes yeux. Maintenant, il suffit de tendre le y vers 1 et le x le tendre vers 0. Là, vous avez la continuité de f et là, la fonction primitive de cette fonction-là qui est continue, vous aurez obtenu le résultat. Finalement, le résultat, mon intervalle, mon intégrale cherchée, ça sera donc f de 1 moins f de 0.
Donc, à la limite, quand x tend vers 1, y tend vers 1. Or, f de 1, nous l'avons calculé, c'était combien? C'était le logarithme de 2. C'est logarithme népérien de 2. Et enfin, f de 0, c'est 0, ce qui donne finalement l'intégrale cherchée. C'est bien ln de 2. Je vous laisse le soin, s'il vous plaît, de faire ces passages-là et de l'écrire en bonne forme. Alors, donc, j'espère que je suis donc venu à terme de ce problème-là. Inch'Allah, la prochaine fois, nous aurons donc un retour sur les leçons du premier semestre, mais on va aller avec un grade, yani avancé. Donc, tâchez de bien réviser. À bientôt, la'ankoum.